Disney. Donc le festival qui se terminera vendredi prochain, dans lequel il y a un concours de bande dessinée et dont Tristan Rouleau, ici présent avec nous cet après-midi, qui vient d'arriver de Paris, est le président du festival. Donc c'est lui qui décernera les prix et qui effectuera les différents classements dans les productions. On a déjà de belles réalisations. Merci Cédric, au fond, pour les animations que tu mènes. Il y a déjà du beau travail de fait. Et il reste encore une semaine pour produire. Donc, je rappelle que ce concours peut se faire par équipe, comme d'ailleurs Tristan nous l'expliquera tout à l'heure. En dessiné, c'est souvent quelqu'un qui a une histoire à raconter, puis quelqu'un qui sait dessiner. Et donc, c'est aussi une aventure humaine, en couple, en trio. Voilà. Bon après-midi. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Tristan Rouleau et je suis donc auteur de bande dessinée. Et plus précisément, je suis scénariste de bande dessinée. Comme l'a dit Laurent, c'est un métier dans la bande dessinée. C'est des toutes petites équipes, c'est pas comme au cinéma. C'est rarement plus de 3 personnes, c'est-à-dire un scénariste qui va avoir pour tâche d'imaginer une histoire et de l'écrire et de la décrire au dessinateur. On verra tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu comment se passe cette collaboration-là. Et puis, le dessinateur donc, va dessiner suivant les indications du scénario. Et puis après, on va souvent passer le relais à un coloriste qui va lui se charger de mettre l'album en couleur, les planches en couleur. Et puis après, bien sûr, c'est l'éditeur qui va se charger d'imprimer et de distribuer l'album un peu dans toutes les librairies. Donc voilà un peu comment, de manière très très synthétique, se passent les choses. Alors moi, comment je suis venu à la bande dessinée? Comme beaucoup de scénaristes, en fait, de bande dessinée, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation particulière pour faire du scénario de bande dessinée. C'est souvent des autodidactes. Rarement des gens qui viennent d'école de cinéma, par exemple, avec des cursus assez particuliers. Moi, par exemple, j'ai commencé, j'ai fait du droit, donc je suis allé jusqu'à la maîtrise de droit, et puis je comptais passer le concours de la magistrature, je m'étais inscrit donc, pour devenir juge, et puis le virus de la bande dessinée m'a pris en fait en rencontrant un ami qui lui dessinait et cherchait une histoire. Donc on a commencé à plancher ensemble sur une histoire de fantastique, des voleurs qui se retrouvaient dans un manoir, quelque chose d'un petit peu naïf à l'époque, c'était mon premier scénario, mais on s'amusait bien en tout cas. Et ça m'a donné le goût de continuer, et en me disant que je pensais avoir d'excellentes histoires à raconter, et que donc le monde de la BD allait m'ouvrir grand ses bras. Dès mon premier scénario, ce qui n'a pas du tout eu lieu, puisque il m'a fallu 10 ans avant de publier ma première planche. Entre-temps, je suis passé par différents métiers, journaliste, j'ai écrit dans les encyclopédies, pas mal de boulot en rapport avec l'écriture, mais assez lointain quand même avec la bande dessinée. Et puis jusqu'au moment où je rencontre, pendant ce temps-là, je lançais des projets de BD qui étaient constamment refusés par les éditeurs. Donc c'est aussi pour ça que je suis là, c'est pour les apprentis auteurs de BD, leur raconter un petit peu les réalités de ce milieu-là, qui sont bien plus compliquées que ceux qu'on peut percevoir quand on est à l'extérieur. Donc si je peux faire part, si je peux donner un peu de mon expérience à des apprentis auteurs, ça sera un peu de temps gagné pour eux. Parce qu'à l'époque, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre en fait ce qu'on attendait, et notamment des choses toutes bêtes. Mais l'éditeur de bande dessinée n'est pas un éditeur de scénario. C'est-à-dire que quand on est tout seul dans sa chambre et qu'on écrit des scénarios de bande dessinée, on imagine, comme dans le cinéma, qu'il y a des gens qui vont lire les scénarios et puis après trouver un dessinateur pour l'illustrer. Pas du tout. Il faut arriver avec une équipe déjà formée. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, si on est scénariste, il faut trouver un dessinateur. Il faut déjà réussir à convaincre un dessinateur que son histoire est bonne et mérite d'être racontée. Si on n'y arrive pas, vraisemblablement, c'est qu'il manque quelque chose. Et puis l'éditeur, c'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque, l'éditeur de Glénat m'avait montré la pile de scénarios qu'il recevait par semaine. Et en fait, les scénarios ne sont même pas lus. Donc, c'est même pas la peine d'envoyer un scénario à un éditeur, il ne sera même pas lu. Donc il faut envoyer un dossier avec des planches de BD, environ 4-5, et puis un déroulé de l'album, mais qui lui non plus ne sera pas lu. Donc le métier de scénariste au début de carrière est très ingrat, pour toutes ces raisons-là. C'est très difficile d'avoir un avis sur son travail, puisque personne ne lit les scénarios.
Donc voilà. Alors après, je vais vous parler un peu plus en détail de la façon dont ça fonctionne, mais comment j'ai réussi finalement à devenir professionnel. Donc professionnel, c'est-à-dire que j'en vis, c'est mon métier, je fais rien d'autre à côté. En rencontrant un jour complètement par hasard un jeune garçon qui avait à l'époque 17 ans dans le métro, alors que je n'ai jamais rencontré personne dans le métro parisien, et qui m'a parlé parce que j'avais un sac de BD que je revenais du Virgin Megastore, voilà, plein de BD. J'étais un gros lecteur de BD et il me demande si j'en fais. Et moi, ça faisait donc 10 ans que j'essayais de percer dans le milieu et je lui dis oui, bien sûr, je suis scénariste. Et donc on descend, on commence à discuter et puis il me montre ses planches et je trouve que ouais, c'est très très bien. Et on se promet de travailler ensemble. Et puis on fait un projet qui est refusé, puis un deuxième projet qui est refusé. Et puis un jour on présente Goblins, donc à Soleil, à Angoulême. Et là, bah, c'est le sésame, c'est la porte qui s'ouvre. Et puis on commence à publier des planches dans un magazine qui s'appelle le Lanfeust Mag, qui existe encore d'ailleurs, et qui sert un petit peu de galop d'essai pour des auteurs débutants. Donc voilà, et puis bah, on a eu la chance que notre série trouve un écho auprès du public, ce qui fait qu'on a pu sortir les albums, un tome, deux tomes. Là, on vient de sortir le tome 7. Et puis le tome 8 sera pour la fin de l'année. Donc voilà, donc c'est une série bah, qui me permet de vivre de la BD tout simplement, puisqu'on a dépassé les 200 000 exemplaires sur la série. Et puis à côté de ça, qui m'a ouvert donc les portes de l'édition. Et après j'ai pu faire d'autres albums très très différents, puisque Goblins donc c'est du gag en une planche, un peu dans la veine des Gaston Lagaffe, on va dire. Donc après j'ai pu faire des histoires de pirates, une histoire qui s'appelle Le Testament du Capitaine Crown, donc là qui est vraiment une intrigue beaucoup plus adulte, puisque c'est l'histoire d'un capitaine pirate qui meurt en début d'album, et puis qui a chargé dans son testament son second de retrouver ses héritiers, disséminés un peu à travers les Caraïbes, pour les mener au trésor qu'il a caché pour eux. Sauf que le second sait que c'est un des enfants qui a tué son père, et donc il a pour tâche un petit peu de démasquer le coupable tout en les accompagnant jusqu'au trésor. Donc une sorte de huis clos, un petit peu à la Agatha Christie sur un bateau, dans un environnement pirate. C'était en deux tomes, et pareil, on a eu un joli succès avec ça. Et avec le même dessinateur, donc Patrick Hennaff, on vient de sortir un nouvel album dans un style tout à fait différent, qui s'appelle Hedge Fund, et là qui parle de la crise des subprimes. Donc ça, c'est le premier tome d'une trilogie. Et puis voilà, qui montre un peu l'ascension d'un trader, donc ça parle des marchés un petit peu à la manière de Wall Street, le premier Wall Street d'Oliver Stone. Donc voilà. Alors pour situer un petit peu le débat, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous lisent de la bande dessinée ou connaissent ça de loin ou en ont lu, mais en fait il y a trois grands marchés pour la bande dessinée. Le premier, c'est le comics américain. Alors le comics américain, c'est avant tout les super-héros. Donc là j'ai une planche de Superman, des premières planches d'ailleurs, 1936 je crois. Donc d'ailleurs créé par des Canadiens à l'époque. Et les auteurs de Superman sont canadiens. Et donc depuis le comics a beaucoup évolué. Est devenu plus adulte, plus mature, plus sombre aussi. Et d'un côté très très flamboyant des débuts, c'est devenu quelque chose avec un propos beaucoup plus sombre. Donc on voit les premières planches justement avec ses couleurs très très flashy, avec un Spider-Man et puis son adversaire, l'Octopus. Donc c'est des pages beaucoup plus petites, justement, que le format franco-belge comme celui-ci, avec des pages cartonnées, des couvertures cartonnées. Là, les couvertures sont souples. C'est des petits fascicules de 22 pages environ, de pages de BD. Mais par contre, il y a beaucoup de publicité dedans. On est en Amérique, donc la culture, c'est avant tout un support pour le commerce. Donc c'est une autre approche, finalement, du livre. Et ce qui fait que dans un comic de 22 pages, en fait c'est un fascicule qui en fait 36, et donc il y a 12 pages de pub qui coupent la lecture, un peu comme une série télé où s'intercaleraient des pages de publicité. Donc voilà, quand je vous parlais de la tendance un petit peu à aller vers quelque chose de plus sombre et de plus adulte, voilà l'exemple, donc Batman d'ailleurs, dans les derniers films de Christopher Nolan, témoigne vraiment de ce côté très très dur, très très brutal. Et là c'est une planche de BD de Frank Miller. Donc voilà, on voit bien les contrastes, le noir et blanc très présent.
Là, c'était Spawn, c'est un autre super-héros qui a un peu lancé la tendance des super-héros qui souffrent à l'intérieur. Voilà. C'est des super-héros qui sont habités par des idées de vengeance, des idées très négatives. Et donc voilà, avec toujours ce côté très, 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 très noir qui marque le comics depuis à peu près 20 ans. Ça, c'est Hellboy, pareil, qui a eu beaucoup d'adaptations, qui a eu deux films qui ont été adaptés de cette série-là. Et là, on reconnaît le trait de Mike Mignola, qui a vraiment bouleversé les codes du super-héros, en ayant un parti pris graphique très, très intéressant, avec des matières juste esquissées. On est vraiment là, entre la BD franco-belge et le comics américain, avec un auteur vraiment particulier. Alors que le problème, je dirais, du comics américain, c'est ce côté très formaté des super-héros, puisque ce sont les personnages appartiennent à l'éditeur. Donc ce sont, les auteurs ne servent que de relais d'un auteur à un autre et doivent reprendre les codes développés par les précédents. Ce qui donne une uniformité un peu dans la production et un petit manque d'intérêt au fur et à mesure de lecture. Donc voilà, toujours Hellboy, avec des atmosphères très fantastiques. Alors au niveau de comics, une grosse tendance aussi, c'est des pages beaucoup plus éclatées. Donc là c'est 300, la BD de Frank Miller, qui a aussi une adaptation au cinéma. Et on voit justement, là c'est une double page, et donc on commence en haut à gauche, on a cette espèce de grand plan très serré en plus, et puis des constructions en cases superposées. Donc il y a tout un jeu dans le comics qu'on a beaucoup moins en BD franco-belge, du fait de ces pages plus hautes, plus grandes, qui ne permet pas de jouer autant avec l'espace. Ça, on ne pourrait pas se le permettre parce que la lecture serait trop lente en fait. Alors que là, comme le format est plus réduit, on passe très vite d'une case à l'autre. Alors, quand je parlais des couleurs flashy, on est en plein dedans là. Ça, c'est Watchmen. Pareil, encore une BD qui a été adaptée en film. Comme à peu près toute la production, je dirais, de qualité dans le comics. Finalement, tout ça est adapté par Hollywood et un petit peu vidé de son sens. Alors ça, c'est le scénariste, c'est Alan Moore, à qui on doit aussi V pour Vendetta. Encore une fois adapté au cinéma. Pour ceux qui lisent la BD, ils voient bien que la fin a changé. Et tout le côté très contestataire et très politique de la bande dessinée est clairement évacué pour faire place à du pur divertissement. Avec une petite tonalité pour quand même garder un petit peu l'esprit de la BD. Mais bon, voilà, on vide un peu les choses de son sens à Hollywood. Et la BD est bien, bien plus intéressante que le film, malgré, je dirais, un traitement qui est un petit peu vieilli, avec ses couleurs très très primaires, même si le dessin reste de très bonne qualité. Bon, bah on sent que c'est des années 80, quoi. Donc voilà, V pour Vendetta, justement. Pareil, qui est pourtant une excellente bande dessinée, mais difficile à lire aujourd'hui à cause de ce traitement graphique un petit peu passé. Mais voilà, il y a aussi des choses très intéressantes dans le comics, très loin du super-héros. Là, on a Maus de Art Spiegelman, qui a gagné aussi le prix d'Angoulême, qui raconte les camps de concentration via cette histoire de souris. Une BD unanimement récompensée et voilà, qui prouve qu'en comics, on peut aussi aborder d'autres choses que les gens en collant et avec des masques. Bien sûr, on peut penser aussi aux cartoons. Donc le comics n'est pas complètement que les super-héros, mais c'est quand même la tendance, je crois que c'est 90% de la production qui concerne les super-héros. Alors ça, c'est pour la branche, je dirais, nord-américaine, le comic book. Côté est, il y a le manga. Alors là, on est sur autre chose, on est sur des parutions. Il y a un gros public, un gros lectorat, ce qui fait que c'est des gros bouquins, comme des magazines, plein de mangas dedans, par tranche de 16-24 pages, et puis qui sont plus tard réunis en fascicules, en livre de poche en fait. Mais donc un rythme de production beaucoup plus intense, avec une répartition des métiers. Je parlais tout à l'heure de la répartition en BD franco-belge à 3 personnes, scénariste, dessinateur, coloriste. En comics, on rajoute un nouvel intervenant qui est l'encreur, puisque le dessinateur ne fait pas l'ancrage. Il se contente de faire un crayonné, donc au crayon à papier, qui va passer à quelqu'un d'autre qui va ancrer, donc mettre de l'encre, faire ressortir le noir. Puis après, il y a la couleur. En manga, c'est encore bien plus découpé que ça, puisqu'il y a celui qui va s'occuper des personnages, celui qui va s'occuper des visages, celui qui va s'occuper de la narration,
donc du découpage de la planche, celui qui va s'occuper des décors. Donc il y a les studios pour faire un manga, il peut y avoir 8-10 personnes qui vont participer au dessin. Et en fait, l'auteur est au final le chef de ce studio-là. Il n'y a que son nom à lui sur la couverture, mais en fait, il a toute une ribambelle d'assistants qui vont se charger de faire toutes les autres tâches, et dont la tâche peut-être la plus ingrate, qui est de poser les trames. Parce que le manga étant en noir et blanc, pour avoir des effets de relief, ils collent de la trame qui sont comme des calques avec des différentes tailles de pointillés. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, bah, typiquement une vue. Ça, donc c'était Akira qu'on voyait tout à l'heure. Et voilà, on peut voir que tous les gris là, tous ces gris là, ces zones de gris, sont faites à la trame. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a découpé sur la planche originale et puis qui a découpé des calques par-dessus pour faire ces espèces de zones de gris. Un travail très très fastidieux, mais qui est le seul moyen pour dans le manga d'avoir un peu des demi-teintes qui donnent un peu de volume à l'ensemble. Donc là on voit Dragon Ball qui a eu une grosse adaptation en dessin animé. Beaucoup de mangas concernant les adolescents sont ce qu'on appelle les shonen, c'est-à-dire des BD où les gens s'affrontent. Ça peut être Naruto, ça peut être ce genre de manga là, où là c'est un petit garçon, un petit adolescent qui va faire son chemin et ça, à la force de ses poings, donc comme Dragon Ball d'ailleurs. Donc ça c'est une grosse tendance du manga, mais ce n'est pas la seule. Voilà Naruto justement. Donc toujours Naruto, One Piece. Mais c'est pas la seule tendance. Le manga justement lui brasse tous les sujets. Là on voit de la SF avec Blame. Donc une SF très 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 sombre, très adulte, et on voit encore ces trames là qui font tout un dégradé. Donc le manga lui aborde absolument tout ce que peut raconter une histoire, ils le font. Donc des histoires plus historiques, ça c'est Vagabond, très réaliste avec un traitement très réaliste. Ou alors ça c'est L'homme qui marche, donc de Taniguchi, où là bah, voilà, c'est plutôt de la BD pour les adultes. Il n'y a aucune action, c'est pendant tout l'album, c'est un homme qui marche. Donc et c'est assez poétique finalement, et pas si ennuyant que ça, parce qu'il y a une sorte de détente tout le long de l'album, comme ça, il marche, il va s'arrêter, il va s'allonger sur la pelouse, etc. Il n'y a pas de texte, ou quasiment pas. Donc voilà le genre d'œuvre aussi que peut produire le manga, qui est à mon sens la production la plus diversifiée en bande dessinée. Et puis, bah, y a la bande dessinée que moi je pratique, disons, la bande dessinée qu'on appelle franco-belge. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux grandes écoles, il y a l'école belge et l'école française. L'école belge c'est Spirou, Tintin, et l'école française c'est tout ce qui vient du magazine Pilote, qui était dans les années 70, c'est-à-dire Astérix. Tout ce qui vient de Goscinny, on va dire. Donc voilà, donc ma Tintin ça commence dans les années 30 je crois, et puis on voit un trait un peu naïf mais qui garde justement par cette simplicité son attrait. En fait Tintin n'a quasiment pas vieilli, j'en ai encore lu quelques-uns il n'y a pas longtemps à mes enfants justement, et la magie marche toujours autant. Voilà Astérix justement. Alors Astérix, ce qui est amusant, c'est que on parlait tout à l'heure de l'industrie du comics où les personnages appartiennent à l'éditeur, ce qui fait qu'il va pouvoir les refiler à d'autres dessinateurs, d'autres auteurs, et le personnage va perdurer comme ça par-delà les années. On arrive tranquillement à ça aussi dans la BD franco-belge, qui était, je dirais, à l'origine une BD d'auteurs, c'est-à-dire un couple d'auteurs qui créent une histoire, qui créent des héros, et puis bah, une fois que les auteurs passaient à autre chose, ou bien qu'il y en a un qui décédait, la série était terminée. Or, les éditeurs n'étaient pas très contents, puisque les séries à succès comme Astérix, le jour où il n'y a plus de nouveau Astérix, la série tranquillement ne se vend plus, ne se vend de moins en moins, et passe de mode, et puis ben, l'éditeur c'est juste un gros manque à gagner. Donc qu'est-ce qui se passe de plus en plus ? Eh bien, comme Black et Mortimer, comme 13, comme d'autres séries qui ont eu des ventes exceptionnelles, eh bien ce sont des nouveaux couples d'auteurs, comme dans le comics, qui commencent à reprendre la suite. Et l'éditeur donc possède. Alors, la petite différence, c'est que l'auteur à l'origine de la série continue lui à toucher les droits,
des droits d'auteur. Mais en tout cas, voilà, c'est l'éditeur qui se charge de trouver, de continuer la série. Et c'est ce qui s'est passé pour Astérix, puisque c'est un nouveau couple d'auteurs pour le dernier Astérix qui s'est chargé de faire l'album. Donc ni Uderzo ni Goscinny ne sont crédités en tant qu'auteurs sur cette histoire. Alors là, on voit Moebius qui est mort, je crois, l'année passée. Moebius, bon, bah, c'est un des rares auteurs français qui a une dimension complètement internationale. Son travail a inspiré à peu près tout le monde, tout le monde. Avec des univers complètement loufoques, un dessin d'une qualité exceptionnelle, une narration unique. Voilà, c'est un des auteurs franco-belges absolument majeur, on va dire, dans notre art. Voilà, avec des compositions unique, étrange, voilà, une sorte de sablier découpé. Et pourtant, la planche se lit parfaitement bien. On sait exactement comment lire les choses. C'est vraiment du grand art. Un autre artiste aussi qui a influencé beaucoup de gens, c'est Enki Bilal. Enki Bilal, c'est celui qui a réussi à faire passer quelque part la bande dessinée de l'art populaire à l'art tout court, puisque ses planches sont exposées dans les musées, dans les galeries. Il a une cote, un peu comme des peintres, comme un peintre, ce qui fait qu'aujourd'hui une planche de Enki Bilal comme celle-ci peut valoir 300 000 euros, 400 000 euros. C'est un des seuls à avoir réussi cette chose-là. Donc d'ailleurs, on voit le côté très très graphique de ces constructions. C'est entre l'illustration, entre la BD. Et puis voilà, et puis bon, bah ça c'est une autre série qui s'appelle Largo Winch. Donc là on parle de finance, tous les styles peuvent être abordés en franco-belge, parce qu'on voit que c'est vraiment le dessinateur, contrairement je dirais aux comics et aux mangas, il y a un style propre à chaque auteur. Je vous ai fait passer quelques planches, voilà encore, ça c'est François Bourgeon, et on voit encore un style complètement différent, un traitement des matières complètement différent, un rapport au détail, un rapport au personnage. Ça c'est vraiment propre à la BD franco-belge, qui n'a aucune uniformité dans sa production. Encore un autre exemple, ça s'appelle Rank Xerox, très violent comme univers. Et puis ça c'est Tardi, donc, qui est un des grands spécialistes de la Première Guerre mondiale en bande dessinée, qui fait des choses absolument époustouflantes. Et puis voici Persepolis, donc voilà, un peu comme Maus. Là on est plus dans une tendance un petit peu universelle qui est le roman graphique. On est entre la littérature, entre la BD. Le style est toujours très, très simplifié, très naïf. Vraiment au service de l'histoire, pas d'effet de manche, c'est vraiment très 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 simple, mais ça permet de raconter des histoires de manière très sensible, voilà. Et voilà, dans le même genre, voilà, ça c'est Paul. Et puis maintenant je vais vous parler un petit peu plus de moi, comment je travaille avec mes collaborateurs. Alors à toute chose, quand je me lance dans un projet réaliste, on va dire, c'est-à-dire que ça soit le Captain Crown, que ça soit Hedge Fund, il y a, en tant que scénariste, la chose la plus importante, c'est de croire à son univers. Et pour y croire, il faut le connaître par cœur, faut s'y promener dedans en étant habitué à ses moindres recoins. Donc quand on fait une histoire sur les pirates, ça demande quoi? Ça demande de faire énormément de recherches, de lire énormément de livres d'histoire, de se renseigner sur la période, sur les mentalités. Avant même d'écrire la première ligne, ça peut prendre 2-3 mois à se documenter, à vivre là-dedans, de façon à ce que les personnages développent une logique qui ne peut pas être celle d'un homme du XXIe siècle, et soit vraiment ancrée dans l'histoire, et pas juste des témoins ou que le décor ne serve que d'un prétexte. Non, il faut vraiment que tout ça soit lié, l'intrigue, les personnages, que tout semble logique. Et donc ça peut demander de savoir, parce que par exemple dans le testament du Captain Crown, ce sont des petites, comment dire, ce sont des petits indices qui permettent de sentir ce travail-là, mais qui ne doit pas être mis en valeur, on ne fait pas non plus un cours d'histoire.
Mais par exemple, savoir à qui chaque île appartenait entre la Hollande, les Espagnols, la France, c'est important de ne pas dire n'importe quoi quand voilà, les pirates arrivent à tel endroit. Il y a des alliances qui étaient faites, surtout que là c'était un bateau corsaire, donc qui était au service de la France. Je ne peux pas l'envoyer partout. Donc il y a quand même un besoin de réalisme et pas de balancer des noms un petit peu au hasard, sortis du chapeau, qui décrédibiliseraient même à mes yeux. Le travail que je suis en train de faire. Donc voilà, on peut s'inspirer bien sûr de toiles de maître pour trouver les gréements qu'on peut utiliser dans l'album. Pareil, les bateaux ont beaucoup évolué entre le 16e et le 17e, donc il fallait être assez juste là-dessus. Des choses, comment charger un canon? C'est tout bête, mais si je ne sais pas combien il peut y avoir besoin de gars pour faire ça, ou comment se charge le canon, quels sont les outils nécessaires, etc., ça va paraître toc. L'histoire va paraître toc, le rendu va paraître factice. Et puis surtout, moi, ça peut me donner des fils d'intrigue. C'est-à-dire de me renseigner va pouvoir me donner des idées. Pour créer par exemple un problème, je sais pas, le câble qui casse, ou en comprenant un petit peu les mécanismes, du coup on peut jouer avec. Alors que si on a juste une vision très superficielle de tout ça, bon on arrive à faire une intrigue toute bête et toute simple. Donc voilà, comment charger un canon, 3 ou 4 étapes. Bon, c'est pas utile tous les jours, hein, mais bon. Voilà, donc il peut y avoir des maquettes, etc. Tout ça, c'est des choses que je donne après au dessinateur pour lui dire, voilà, je verrais bien quelque chose dans ce type-là, un trois-mâts, un bateau de telle époque, etc. Et puis lui va s'en inspirer après pour faire ses dessins. Donc voilà, comment est fabriqué un pistolet de cette époque-là. C'est tout ce travail-là qui doit être fait en amont, qui est passionnant d'ailleurs, hein, mais qui n'est, comment dire, avec la petite inquiétude de s'y perdre. C'est-à-dire on commence à creuser, à creuser, à creuser, à creuser, puis ça fait un mois qu'on est dessus, 2 mois, et puis on n'a toujours pas écrit une ligne. Donc tout le monde commence un peu à s'affoler, mais bon, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Hein. Donc voilà, très important, pareil, enfin très important. Très important parce que les lecteurs de BD sont souvent assez, comment dire, assez cultivés ou assez exigeants en tout cas. Et ce qui fait que si on fait une erreur sur une histoire d'uniforme et que c'est pas le bon uniforme de cette période-là, si on fait une BD réaliste, à ce moment-là, on va avoir deux, trois personnes qui vont le remarquer et puis c'est, ah, en fait, cette BD n'est pas du tout crédible, c'est n'importe quoi. Les Français à cette époque-là n'étaient pas en rouge mais en blanc, etc., etc. Donc il faut être assez vigilant dès qu'on approche l'historique à être assez, assez carré. Donc voilà encore une fois comment se gère un peu l'intérieur d'un bateau. Donc voilà, tout ça, c'est des choses un petit peu à savoir avant de se lancer dans une baie historique. Par exemple, pour celui-ci, là, ça n'a rien à voir, on est dans du contemporain. Donc là, moi, j'ai une formation donc de droit des affaires, ce qui me permet d'avoir une. Comment dire, d'avoir une bonne connaissance générale sur le système, mais pas dans le détail. Et donc à partir du moment où j'ai voulu attaquer cette histoire-là, je me suis attaché à un ami qui est financier, lui. Donc qui a été trader à Hong Kong, qui ça fait 30 ans qu'il est dans le milieu, et lui qui a pu me décortiquer un petit peu tous les mécanismes. Donc ça revient un peu à cette histoire sur le Captain Crown historique, d'avoir une base solide sur le milieu qu'on aborde. Et donc, voilà, donc là, c'était quelque part lui qui m'amenait toute la matière et à qui je faisais d'ailleurs relire tous mes dialogues pour qu'il soit juste, en fait. Donc, comment on fait un scénario? Il y a plusieurs façons. Et chaque scénariste, d'ailleurs, a sa propre façon de faire. Il y a ceux qui vont décrire chaque image de manière assez précise. Donc parce que comment on fait, en fait, tout simplement, on va commencer par faire un synopsis. On sait qu'au format franco-belge, un album fait soit 46 planches, soit 54 planches. Donc on va faire un synopsis en disant scène 1, page qui va prendre par exemple 2 pages, page 1 et 2, et on va dire voilà, le héros fait ci, ça, 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 et puis ça, 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 ça. Deuxième scène, troisième scène, et on va découper tout l'album comme ça, de manière assez globale. Et puis,
une fois qu'on a vu que l'intrigue tenait bien dans le format 46 ou 55, 54 pages, on va rentrer dans le détail. Et là, on va prendre chaque page et dire combien il y a de cases. C'est ça qui va contribuer, enfin, qui va guider le dessinateur dans sa narration. Donc, au fur et à mesure des collaborations, on apprend à se connaître et on va de plus en plus rapidement parce que le langage commence à être de mieux en mieux partagé. Mais au début, il est important de décrire chaque case, le cadrage, est-ce que c'est une plongée, une contre-plongée, un plan d'ensemble, etc. Ce qui s'y passe, donc l'action de la case. On peut voir par exemple une très belle villa isolée d'un ou deux étages. On peut donc, voilà, et pendant ce temps-là, en fait, on raconte quasiment l'histoire du dessinateur. Le dessinateur, c'est notre premier lecteur. Donc c'est à lui qu'on doit comment dire, imposer des images, en tout cas le faire voir, c'est les images que nous on a dans la tête. Si on n'y arrive pas, la planche manquera de vie, sera pas assez, sera pas bonne en fait. Donc c'est une étape très très importante, la description de la page, de son atmosphère. On peut même décrire des sensations qui ne seront pas dessinées, mais qui permettront de retranscrire des choses par des biais détournés. Je pense par exemple au son, je pense par exemple aux odeurs. Dire par exemple une herbe coupée, une pelouse coupée, etc. Eh bien le dessinateur va trouver d'autres moyens pour essayer de générer cette espèce d'humidité ou, et arriver à d'autres sensations chez le lecteur. Donc voilà, moi c'est à peu près comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, je donne le nombre d'images, et puis chaque image a un descriptif de quelques lignes, puis des dialogues, un peu comme au théâtre en fait, des didascalies, et puis des phrases de dialogue. Alors il faut dès ce stade-là, déjà avoir une bonne connaissance de l'espace que peut prendre le texte dans une bulle. Parce que si on fait des textes trop longs, on se laisse trop parler, bon bah finalement ça fait des pavés de texte, ça devient illisible, le dessinateur ne sait même plus où dessiner tellement l'espace est déjà rempli de texte. Donc il faut faire très attention à ne pas trop en mettre. C'est encore quelque chose sur lequel je travaille, j'ai une tendance à écrire trop. Donc je suis vigilant là-dessus. Alors d'autres solutions, voilà, là on a quelque chose de beaucoup plus... je sais pas, beaucoup mieux découpé entre les dialogues sont en gras, donc c'est l'histoire sur quoi le scénariste va mettre l'accent finalement. L'autre chose aussi, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus proche du cinéma ou du dessin animé. Une colonne pour l'action ou les descriptifs, et puis une autre colonne pour les dialogues. Alors ça c'est bien parce que ça permet au dessinateur de voir tout de suite la masse de texte dont il va avoir besoin dans la page. Donc ça c'est une façon très très intéressante, c'est pas celle que je pratique, je préfère le côté un petit peu théâtre, mais en tout cas ça marche très très bien. Donc voilà, des fois ce sont surtout les dessinateurs qui font leur propre scénario, c'est-à-dire qu'ils ont assez d'expérience, ils se lancent et ils font leur propre scénario, ils ont dans ce cas-là beaucoup moins besoin de description, etc., parce que les images, ils les ont déjà en tête. Donc ils vont quelque chose de, voilà un scénario fait par un dessinateur. Donc c'est beaucoup plus jeté, il y a beaucoup moins de détails, c'est pas nécessaire. Il y a des embryons de dialogue, et tout ça sera travaillé au fur et à mesure. Ou alors, ultime option, le découpage direct. C'est-à-dire vraiment un crayonné rapide de la page, tuk-tuk-tuk, et puis on met à peu près la taille des textes, où ça se passe, comment ça se fait, et puis après il passera au propre. Donc voilà, et nous comment on passe avec Corentin Martinage donc sur Goblins, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va, on va se voir environ, on se voit deux fois par an pendant une semaine, 15 jours, et puis moi j'ai préparé le terrain, donc ça je parle pour faire des gags. Qu'est-ce que je fais? Je prends une semaine. Et puis je vais faire du gag tous les jours, comme si je faisais des pompes en fait. À la fin de la journée, je vais avoir trouvé 5 gags. Donc, quels qu'ils soient, est-ce qu'ils sont bons, pas bons, à ce moment-là, je ne juge pas du tout mon travail, il ne faut surtout pas que je me relise, parce que la mise en place, la mise en route est toujours très dure. Les gags du lundi, en général, passent tous à la poubelle à la fin. Mardi, ça commence à être un peu mieux, mercredi, c'est bien, jeudi, c'est pas mal, puis vendredi, on sent que l'énergie est déjà passée, et il n'y en a peut-être plus qu'un ou deux de bons, mais c'est pas grave, au final, j'aurai 25 gags, et puis à ce moment-là, on se voit avec Corentin fait son tri dans ceux qui l'ont fait rire tout de suite. Ceux qui disent « Ah, c'est pas mal, mais il y a peut-être quelque chose de mieux à trouver. » Donc là, on y réfléchit, etc. Et puis, on en invente d'autres quand on se voit aussi. Mais au moins, il y a cette espèce de parachute. C'est-à-dire, quand on se voit, j'arrive pas les mains dans les poches, il y a déjà on peut déjà commencer à découper une quinzaine de gags assez facilement. En fait, sur 25 gags, combien vont être faits au final?
Allez, une dizaine. Voilà. Donc il y en a 15 qui partent un petit peu à la poubelle, qui sont de la matière qui a été là pour amener d'autres choses. Mais voilà, donc il faut accepter cette déperdition. C'est comme ça. Et quand on se voit, donc on se met d'accord sur les gags qu'on aime bien tous les deux. Et puis voilà ce qu'on fait. On fait sur un carnet, on fait des choses qui sont pas plus grandes que ça. C'est-à-dire peut-être des vignettes de cette taille-là, redécoupées à l'intérieur. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on saisit tout de suite les zones de force. C'est-à-dire que là, on voit gros plan, plan moyen, tout là. Et puis si la page fonctionne bien, si en fait on cherche un équilibre dans les cases. Donc c'est le moment le plus important en bande dessinée. Si à ce stade-là, la page est comprise, derrière le travail est fait. Après, ça va être un travail, comment dire, de détails et de finition. Mais en tout cas, la compréhension, c'est l'élément clé de la bande dessinée. Et il faut que le lecteur puisse passer d'une case à l'autre sans avoir aucune hésitation. On abordera tout à l'heure un peu plus le langage de la bande dessinée et les outils qu'on a comment dire, nous, pour passer nos informations et nos émotions. Donc voilà, justement, en parlant de Goblins. Donc je vous parlais donc de notre façon de fonctionner. Donc voilà, un premier. Alors ça c'est un de nos tout premiers gags qui n'est jamais paru en fait. Donc je suis content, je le montre parce que personne ne l'a jamais vu. Il n'est pas très bon d'ailleurs. Mais c'est bien parce que c'était les débuts, donc il y a quelque chose d'un peu maladroit, mais au moins ça permet de comprendre tout de suite le truc. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit gobelin qui avance, qui se fait équiper. Et puis continuer à avancer, que ce soit sur un fauteuil qu'on croit être une sorte de trône, mais en fait qui est une sorte de catapulte, et puis les projeter sur les murailles, et puis il devait passer par-dessus, mais bon, finalement, tout est raté, parce que les gobelins sont absolument médiocres dans tout ce qu'ils font. Donc c'est raté. Donc c'est un gag assez banal, on va dire, assez dans l'esprit de Bip Bip et le Coyote, ce genre de choses. Mais voilà. Et ça fait partie d'une catégorie de gags que j'appelle les gags à dézoom. C'est-à-dire qu'on comprend le gag à partir du moment où on recule la caméra. Tant qu'on reste sur le personnage principal, on n'a pas de décor, on a juste des petites informations fragmentaires de l'action. Et c'est juste au moment où on dézoome que le gag apparaît. Donc voilà, on passe de là, puis à l'étape d'après. Alors là, on voit, c'est un peu gris, parce que forcément, c'est du crayon papier. Donc quand je dis que c'était les premiers gags qu'on a fait, on le voit, parce que le dessin est beaucoup moins abouti que ce que peut faire Corentin aujourd'hui. Les anatomies sont pas géniales, mais bon, ce qui était important, c'est qu'on sentait l'énergie à l'époque, et je pense que c'est ça qui nous a permis finalement d'avoir l'album signé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un éditeur va voir ça, va trouver énormément de failles et de fautes dans le dessin, mais va voir que la chose essentielle, c'est-à-dire la narration, et puis l'énergie et la vie, en fait, sont bien là, quoi. C'est-à-dire les gobelins restent expressifs, ils ont une bonne tête, on a presque envie de rigoler déjà avec eux, quoi. Même si y a beaucoup, beaucoup de défauts encore à ce stade-là. Alors, comment on travaille tous les deux? Et voilà les deux premières étapes. Le petit crayonné rapide sur une petite vignette, puis un truc un peu plus fini sur une page à taille réelle. Et puis là, Corentin va scanner ça et va me l'envoyer. Et à ce moment-là, moi, je vais commencer à coller les textes. Les textes ont été écrits en amont, mais je les réintègre à ce moment-là en prenant en compte le dessin qu'a sorti Corentin. Les expressions. Il y a des expressions, par exemple, je vais pouvoir dire des gros mots, par exemple, dans les dialogues que j'envoie à Corentin, et les supprimer à la fin. Pourquoi? Parce que ils étaient importants pour donner une intonation. Pour que Corentin, le dessinateur, essaye de trouver l'expression qui va bien avec cette impulsion-là. Une fois que cette émotion, comment dire, cette information passe déjà par le dessin, j'ai plus besoin de la répéter. Donc du coup, je coupe plein de mots une fois qu'on passe à cette étape-là. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il m'envoie. Et puis, à ce moment-là, moi, je commence à travailler dessus, et il peut m'arriver donc de changer des cases, de dire là, par exemple, celle-ci, vaudrait mieux l'inverser, d'avoir l'autre information de l'autre côté. Donc, je lui fais des propositions, et voilà. Donc, j'ai inversé, par exemple, cette case-là, je l'ai fait flipper. J'ai fait un dézoom, là, ici, là, j'ai dézoomé, enfin, et je colle les textes pour voir s'il y a bien la place, en fait. Si tout va bien, des fois les textes sont un peu trop longs, donc j'en profite pour couper un peu dedans. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Une fois que j'ai calé mes textes, une fois que j'ai fait mes petites modifications sur la narration, Corentin récupère la page et là va l'ancrer.
Donc voilà encore un petit exemple de ces allers-retours entre quelque chose. Alors par exemple c'était moi là qui avais commencé, j'avais fait un petit crobar comme vous voyez, moi je ne suis pas du tout dessinateur, mais par contre comment dire, voilà, je fais des bonhommes patates avec éventuellement des petites expressions, et puis ça suffit pour à Corentin pour comprendre l'idée là où je veux en venir. Donc là je lui ai proposé ce gag-ci, et puis lui il m'est revenu avec celui-là, donc on voit bien un changement dans la première case, par exemple. La deuxième et la troisième restent globalement semblables. Mais sauf que je lui dis, ah mais non, là, on perd beaucoup d'informations. On ne voit pas les gobelins dans la première case. Et il y a quelque chose de très important dans le gag, c'est pour vraiment qu'un gag soit réussi, il faut que le lecteur ait toutes les informations en main dès la première case. Et malgré tout, réussir à le surprendre. Si on fait juste à la fin, on soulève le chapeau, on dit ah c'était ça l'idée, bon bah c'est pas très excitant pour l'intelligence. Alors que si dès le début toutes les infos sont là et pourtant le lecteur n'a rien vu venir, alors là c'est réussi quoi. Donc là l'idée c'était tout simplement dans ce gag-là d'avoir des sorcières qui étaient mises au bûcher, et puis en fait on s'aperçoit à la fin que c'est pas des sorcières mais des gobelins, et puis le dialogue c'est oui mais on s'entraîne. Donc quelque chose d'assez simple. Mais voilà, il fallait qu'on voie les gobelins au tout début traîner comme. En fait, c'est qu'on voit des sorcières et puis qu'on découvre plus tard que c'est des gobelins. Donc voilà, et puis finalement la version finale, c'est ça, on voit quelque chose de plus mignon, enfin, c'est un peu plus. C'est plus rigolo à regarder en fait. Et puis voilà encore une sorte de gag très pipi caca. Alors il faut savoir que voilà, les gags pipi caca, c'est quelque chose dont il faut surtout pas se priver, surtout en début de session de création, parce que c'est quelque chose qui vient très très vite. Après on les supprime en général, mais c'est partie du mécanisme de n'avoir aucune autocensure. Si on a de l'autocensure, si on se dit ah mais ça va pas être drôle, ah mais on va me juger là-dessus, on est déjà dans une position de se regarder soi-même en train d'écrire, et on va faire que des choses absolument nazes. Donc c'est quasiment obligatoire de commencer par assumer ce côté très très idiot. C'est ça qui permet de passer à la suite. Si on saute cette étape-là, et ça c'est quelque chose que j'ai pu vérifier avec d'autres auteurs quand on en parle, il faut quasiment commencer. Vraiment en dessous de la ceinture. Donc voilà, et donc je vous parlais tout à l'heure de l'ancrage. Voilà l'étape en fait entre le crayonné et puis l'ancrage. Alors l'ancrage, qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est une étape très très délicate. C'est, je dirais, chez les dessinateurs amateurs, c'est une étape un peu trop négligée. Parce que toute la pêche, toute l'énergie est passée dans le crayonné. Et puis on passe à l'ancrage. Et puis qu'est-ce que c'est l'ancrage? C'est repasser sur son dessin au noir avec une plume ou au pinceau. C'est technique, il faut faire attention de ne pas dépasser. On n'a plus le droit à l'erreur, on ne peut plus gommer. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ça a tendance à tuer la vie de la planche. Et c'est quasiment là que se passe la différence entre un auteur amateur et un auteur professionnel. L'auteur professionnel, au bout de 80, 100 planches, va pouvoir ancrer avec la même énergie et la même fluidité que lorsqu'il est au crayon papier. Et il n'y a pas de perte. Et alors pourquoi s'embêter finalement à ancrer si l'énergie est déjà dans le crayonné? Tout simplement pour des soucis de lisibilité. En noir et blanc, on a tout de suite le contraste qui apparaît. On peut tout de suite guider le lecteur dans les planches avec des zones de noir qui guident le regard. Il y a une meilleure définition. Il n'y a pas ce côté flou du crayonné qui laisse un peu le lecteur à la porte de la page. C'est-à-dire, c'est très difficile d'entrer dans une page qui est encore en crayonné, tandis que l'ancrage appelle le regard, on distingue mieux les choses, on détaille les décors, les émotions. Donc voilà, et l'ancrage surtout permet de préciser les matières. Un des gros défauts aussi des dessinateurs débutants, c'est de traiter toutes les matières pareilles, le bois, le cuir, les carrelages, etc. Et ça, c'est un des gros apprentissages à faire. C'est vraiment d'arriver à distinguer dans l'épaisseur du trait, dans le nombre d'informations, d'un caillou, d'un morceau de bois. Ça, c'est du vrai dessin, c'est valable pour l'illustration, c'est valable pour tous les arts picturaux, arriver à différencier les matières. Alors,
Comment viennent les idées de gag? Parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Aucune. Alors là, comme d'habitude, il n'y a personne qui est capable de savoir d'où viennent les idées. C'est totalement. Comment dire? Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode, si ce n'est celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire de se dire, voilà, à la fin de la journée, je vais en avoir 5. Et alors là, on commence un peu n'importe comment. On fait, bon, ben là, je sais pas, j'ai une bouteille d'eau, j'ai une table, comment je peux mettre ça en combinaison? Je rajoute un gobelin particulier, qu'est-ce qui pourrait se faire ce gobelin avec un. Et puis on essaie de se retourner le cerveau dans tous les sens en espérant qu'à un moment, clic, il se passe quelque chose. Et puis des fois, on a un coup de peau, on voit quelque chose dans la vie de tous les jours, et on se dit, mais c'est trop drôle. Comment j'arrive à en faire un gag de gobelins? Et donc ça, voilà, je crois que c'est un gag du tome 3, ou du tome 2, je sais plus. Non, même je crois que c'est le tome 1. J'étais à Nîmes chez une amie, et puis elle lui dit, ah venez, il y a une corrida spéciale, ça s'appelle les Forcados, machin. Et c'est une corrida sans mise à mort. Et donc elle m'amène là-bas, et je vois ça, une ribambelle de gars en face d'un taureau, et le taureau leur fonce dessus, et ils doivent réussir à le mettre au sol sans le tuer. Donc. Il y a quelque chose de tellement, vraiment, en tout cas à ce moment-là quand j'ai vu ça, il y a quelque chose de tellement absurde, de tellement idiot comme jeu. Enfin, tu dis, c'est quasiment des gobelins qui ont inventé ce jeu-là. Donc ouais, c'est très important hein, dans la région de Nîmes, les mecs ils rigolent pas avec ça. Hein. Donc voilà ce qui se passe. Le taureau fonce et vient percuter la colonne de gars, et par accumulation, finalement ils arrivent à ralentir l'impact. Et puis donc c'est très dangereux hein, quand même. Mais voilà, donc il y a même des statues dédiées à ce sport-là. Donc on ne plaisante pas. Et donc voilà, bon, bah, comment j'ai réussi après à tourner ça. Je me suis dit, bon, bah, ça serait encore plus marrant avec une licorne en fait. Donc voilà, les gobelins, ils ont la même idée. Ils voient cette espèce de truc et puis à la fin, ils font ça pour choper une licorne. On devine la fin en fait du gag, sans le montrer. Donc voilà comment une idée peut arriver juste par en regardant. Ça peut être aussi de lire un article de journal. Ça peut être ça, c'est vraiment je dirais les petits bonus, le gag qui arrive un petit peu tout seul. C'est rare, c'est rare, c'est très rare. Donc ça, c'est bon, c'est des exemples de moi comment j'écris les scénarios. Ça, c'est voilà comment je fais. On part justement, voilà le synopsis. Scène 1, page 1 et 2, un petit descriptif. Scène 2, page 3, 5, un petit descriptif. Scène 3, donc ça c'est pour moi structurer mon album en fait. Voilà comment je fonctionne. Ensuite, l'étape suivante, c'est on affine encore un peu plus le découpage. Là, donc je décris la scène, je commence à taper mes premiers dialogues. J'essaie de faire tourner, de faire tourner les choses, comment les gens se répondent, etc. Et puis à la fin. Je donne ça à Patrick, donc, qui est vraiment un découpage case par case avec la description et puis les dialogues, tout ça intégré en fait dans la même séquence. Et le résultat, c'est ça. Donc là, voilà, on voit une page en couleur avec donc un des pirates qui sort et qui se fait tirer dessus. Donc voilà. Puis la page suivante, qui est une page muette. Alors, les pages muettes, faut bien décrire l'action, il faut être très très précis. Très très précis parce qu'on peut plus appuyer sur le texte pour la compréhension des événements. Donc, c'est des pages qui demandent énormément d'efforts au niveau de la narration. Sinon, ça ne marche juste pas. Avec un autre défaut sur les pages muettes, c'est qu'elles, si elles sont mal construites, elles se lisent très très vite. Et donc, le lecteur va passer dessus et. Finalement, on peut pas. C'est très difficile d'avoir une notion de temps et de déroulé sur une page muette, sauf à la fragmenter. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait sur cette page-là. C'est en la fragmentant avec des petites cases qui obligent le lecteur à s'arrêter pour regarder ce qui se passe. Donc, des cases pas forcément très lisibles, de façon à ce qu'il soit obligé de les décrypter. Ça, voilà une solution qu'on a trouvée pour ralentir la lecture finalement. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du langage de la BD. Comment on fait finalement pour transmettre toutes les informations qu'on veut au lecteur? Alors je parlais au début de l'album. Il faut savoir en fait que l'album, tel qu'il est maintenant en franco-belge, c'est-à-dire vraiment cet album cartonné, là, un peu luxueux, on va dire.
avec des grandes pages, avec du beau papier. C'est une tendance finalement assez récente, parce qu'au début, tous les planches de BD étaient diffusées dans les magazines, comme Spirou, comme Tintin. Et donc, c'était des magazines qui donnaient un peu leur chance, comme moi je l'ai eu d'ailleurs, qui permettaient aux auteurs de faire leur gamme. Donc il y avait Spirou, Tintin, Pilote, donc voilà, on voit les grandes familles de la bande dessinée, Pif Gadget bien sûr. Et donc qui ont donné un petit peu tout le terreau dont sont sortis après les auteurs un peu classiques, on va dire. Donc Raon. Et maintenant, par contre, ça c'est fini. L'économie de la bande dessinée est faite de telle façon qu'il n'y a quasiment plus de magazines qui font de la prépublication. Donc on passe directement en album. On n'a plus le loisir d'avoir un retour des lecteurs sur notre travail en cours de réalisation. On a la sanction à la fin de l'album. Ce qui est beaucoup plus compliqué finalement, et surtout qui ne laisse pas aux jeunes auteurs le loisir de se développer et de travailler, de gagner finalement le cœur de leur lectorat. Ça c'est fini. Ils doivent tout de suite miser juste à la fin, après avoir travaillé pendant un an et demi, leur album sort, et puis là, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Personne ne le sait avant ce moment-là. Donc, quels sont nos outils en bande dessinée? Il y a tout un langage qui est, alors là pour le coup, vraiment spécifique à la BD franco-belge du fait de ses grandes pages, qui permettent des compositions assez élaborées, alors que le manga, par exemple, joue vraiment sur le rythme, puisque les pages sont beaucoup plus petites, c'est du format livre de poche, on tourne très vite les pages, et c'est là-dessus que le manga gagne vraiment en énergie. En revanche, en BD franco-belge, on n'a pas cette énergie-là. Les pages, elles sont longues longues à lire, mais elles permettent aussi de jouer avec des éléments comme, finalement, beaucoup plus cinématographiques. Par exemple, en faisant une case longue, on a une belle panoramique qui sera longue à lire. Et on va sentir le temps, on va avoir quelque chose de plus lent. En général, c'est dans ce format-là qu'on fait les panoramiques, les plans d'ensemble de début de page, histoire de plonger un peu le lecteur dans la page. C'est très agréable pour commencer la lecture. A l'inverse, on peut avoir des grandes verticales. Et les verticales, c'est bien, ça donne de la hauteur, ça peut donner du vertige, ça peut amener une pression sur le lecteur intéressante, du danger, etc. Et puis, y a un vrai soin du détail aussi dans ce format-là. Puisque les cases sont plus grandes, on peut vraiment aller loin dans le décor avec des premiers plans très détaillés et des arrière-plans très détaillés. Et donc je vous parlais justement des arrière-plans et des premiers plans. Par exemple ici, donc c'est une case du Testament du Captain Crown. On a l'arrière-plan, on voit les pirates qui arrivent, et il y a un élément clé de l'intrigue, c'est-à-dire le bateau qui a été caché dans les buissons, qui est au premier plan. Comment ça se passe dans la lecture? Le lecteur va entrer dans la case via ces deux masses noires ici, qui lui permettent d'ancrer son regard, et puis de plonger vers le personnage, celui-là, puis il va aller détailler un peu le bateau, puis terminer sa lecture sur la case. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? On a juste fait passer le temps dans une seule case. C'est-à-dire que le temps en bande dessinée peut passer forcément de case en case, mais aussi au sein d'une même case. En guidant le lecteur, on peut lui faire découvrir des informations au même rythme que les personnages. Ce qui est le cas par exemple ici. Ce qui est très important aussi en bande dessinée, c'est d'avoir cette de donner cette envie au lecteur de découvrir la suite. Ce qui se traduit par essayer de terminer chaque page par une scène forte ou une scène avec un point d'interrogation. Donc prenons celle-ci, on arrive, il y a tout un rapport de force qui s'organise entre l'équipage et les héros de la série. Et on termine par tout d'un coup un indien qui sort armé et qui menace un des membres de l'équipage. C'est une page de droite, donc ça termine la lecture. Tout de suite, on a envie de savoir comment on va tourner cette confrontation-là. Donc ça fait partie des prérequis. Dans mon scénario, dès l'étape du scénario, je dois prévoir ce genre de mécanisme, en fait, pour toujours donner de l'impulsion, toujours pas laisser le lecteur s'endormir, toujours lui ramener de l'énergie. Voilà encore un autre
autre exemple, de terminer par une case très très forte. Là, on découvre qu'un personnage qu'on croyait mort, et en fait, a été juste très très sévèrement brûlé. Et donc, on va le découvrir petit à petit par des événements, des éléments, comment dire, comme là, on voit son pied au premier plan, noyé dans l'ombre. On revient sur lui, on le voit se lever, et puis on découvre son visage jusqu'à la fin. Juste à la fin. Il faut savoir que c'est un personnage qu'on reconnaît par son, comment dire, son t-shirt, enfin sa chemise. Et donc voilà, ça fait trois cases qu'on le voit, un, deux, trois, mais on a un premier élément distinctif ici, et puis enfin on le découvre. C'est-à-dire qu'il y a cette gradation de l'information qui permet de faire monter le suspense finalement. Alors, un autre élément très très important, on revient sur cette idée d'ancrage. Parce que c'est l'ancrage qui va donner toute la pression, on va pouvoir mettre vraiment beaucoup de pression via l'ancrage au lecteur, avec cette scène-là d'éclair, de pluie, etc. On voit les gouttes d'eau qui se séparent, c'est impossible à faire au crayonné. Ça manquera toujours de patates. Alors que là, bon, voilà, on voit toute cette masse noire, toute cette silhouette va donner quelque chose de très très dramatique. Et ça, c'est vraiment le noir et blanc à l'angle de Chine qui va permettre ça. Une petite chose aussi à noter, c'est ce genre de petite case dans une autre case. Ça fait comme une action simultanée. Et le temps est très court du coup. Entre les deux. On le voit là en train d'armer sa sarbacane, trop tard il s'est fait percuter. Ça dure un quart de millième de seconde en fait, les deux actions, alors que dans la lecture, si les cases avaient été séparées, je dirais en deux cases, voilà, comme celle-ci, l'impact aurait été beaucoup plus lent. Voilà. Donc c'est des petites choses, des petits trucs de narration comme ça qui permettent de dynamiser l'action. Et puis bien sûr, des grandes illustrations comme ça, encore une fois, un noir et blanc en négatif, permet de donner quelque chose de très très épique, avec un traitement un petit peu à la Gustave Doré, en hachure, pour avoir une sorte de demi-teinte, et pas être trop trop basique non plus. Voilà, alors encore une fois, le contraste, comme sur les visages là, permet de dramatiser énormément l'action. On sent la fureur, on sent l'énervement, on sent plein de choses, on sent une énergie folle dans cette scène grâce au noir et blanc. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose auquel tous les auteurs amateurs doivent faire attention. C'est vraiment très très important. Autre chose tout bête, mais ça c'est vraiment du langage de cinéma en fait, c'est plongée contre plongée. En mettant un personnage en plongée, c'est-à-dire en le filmant ou en le cadrant d'en haut, on le met en difficulté. Il est écrasé par la caméra, il est en dessous, il est à notre merci. En revanche, en mettant un personnage en contre-plongée, en le regardant en bas, alors là, c'est lui qui domine. Donc en jouant avec ces plongées contre-plongées, voilà, on peut jouer avec, même si ce personnage-là semble beaucoup plus fort et beaucoup plus dangereux que la petite fille qui est sur le bateau, rien que par le jeu des cadrages, on inverse le rapport de force en fait. Et puis surtout, un bon dessinateur de BD, c'est quelqu'un qui est capable de faire toutes les expressions possibles au personnage, c'est-à-dire que le faire jouer à la perfection. Et ça, j'ai la chance de travailler aussi bien avec Patrick et Corentin, avec deux excellents dessinateurs d'expression. Il n'y a pas deux expressions stéréotypées, il n'y a pas deux sourires standards. Chaque expression, ils l'ont sculpté quasiment. Chaque visage, c'est de la glaise, quoi. Et donc, entre le désespoir, entre la surprise, côté un peu sarcastique, voilà, tout. Et puis, ça passe aussi par le langage du corps. Donc, tout ce travail-là, très très important, bien des dessinateurs qui commencent oublient en se contentant de recopier des cases d'albums ou de mangas qu'ils ont aimés. On voit surtout ça dans le manga d'ailleurs. Des dessinateurs qui ont adoré par exemple Naruto et qui vont reprendre le style manga sans forcément comprendre le travail de simplification qu'il y a eu derrière. C'est-à-dire que celui qui a dessiné Naruto, il sait dessiner du classique, il sait très bien dessiner tout. Le dessin final n'est qu'une simplification de tout ce qu'il a compris. Si on commence à recopier une case de manga, on n'est plus que dans le code, en fait. On reproduit un code. Mais on ne pourra pas s'en affranchir. On ne pourra pas le faire tourner à 360 degrés, par exemple.
on va rester cantonné à des images fixes et dans la tête, on n'aura pas vu le visage en 3D. Et ce qui fait que bah, du coup, la narration devient très standard et très, très déjà vue en fait. Alors que là, en ayant creusé ces expressions, eh ben, on a des personnages qui sont vraiment vivants. Donc voilà, et puis on va terminer par comment se passe la création d'une planche quasiment de la première à la dernière, à l'étape finale. S'il veut bien me le lancer. Voilà. Alors, là, on va aller vite, puisque... Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien là, voilà. Donc voilà, donc je vous parlais du scénario. Hop, on va nous suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Patrick va faire la première ébauche. On voit ça. Donc moi, j'avais découpé voilà, en 10 cases à peu près. Et puis, Patrick commence à faire ses ronds, ses formes vraiment très très basiques. Et puis, il va commencer à détailler de plus en plus, à faire ses cases au propre. Il va passer... Donc là, à ce stade-là, il fait commencer au crayon sur une petite page blanche. Donc il fait faire ses petits croquis. Après ça, il va scanner la planche pour commencer à travailler l'ordinateur. Et il va passer un filtre blanc dessus pour que le gris soit à peine visible pour qu'il puisse redessiner dessus, en fait. Et repréciser un petit peu toutes ses intentions. Donc voilà, on le voit. Et là, il commence à préciser certaines cases. On n'est pas encore au stade on n'est pas encore au stade de l'ancrage là. On est sur, il est en train de travailler à l'ordinateur, il est en train de poser ses masses quelque part, ses masses de noir. Donc voilà, on le voit, il affine, on voit vraiment un travail d'artisan quasiment. Donc voilà, on voit les zones de force, les lignes de force. Et voilà, et maintenant, donc voilà, là il est prêt à ancrer. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de détails dans le crayonné pour qu'il puisse passer à la séquence finale. Donc voilà, on voit la différence. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'énergie. Il y a énormément d'énergie dans le crayonné. On voit, il y a les vagues se déchirent, mais on ne peut pas décemment laisser ça tel quel pour l'album. Donc on passe à l'ancrage. Et l'ancrage, il est un petit peu plus froid. Il est un peu plus... tout est plus détaillé, donc on voit mieux les choses, donc on perd en énergie. Il y a moins cette espèce de flou. Tout est précis, en fait. Et puis, voilà la couleur. Donc on passe après ce fichier-là au coloriste, qui lui va mettre ses couleurs. Et là, on retrouve, grâce à la couleur, un peu plus d'énergie. Les cases sont mieux liées entre elles. Et puis, voilà ce que ça donne au final. Alors, ce qui était marrant pour le Captain Crunch, c'est qu'il a fallu quand même beaucoup, beaucoup d'étapes pour arriver à la couverture. Au début, on était parti sur l'idée d'une île, un petit peu mystérieuse, en fond. Hein. Et puis, on se demandait, on ne trouvait pas ça assez dramatique, pas assez pirate. Donc, du coup, on a commencé à creuser le truc. Ça, c'est pour la couverture du tome 2. Et puis, et donc voilà, pour la couverture du tome 1, on s'est dit, tiens, peut-être juste une mer très très plate avec cette espèce un peu loin. Peut-être que cette composition très, très horizontale, mais on n'était toujours pas satisfait. Et puis l'arrivée d'une armada tout de suite a donné le côté épique un petit peu qu'on cherchait, avec une mer démontée, de nuit, avec un éclair. Donc on a un peu utilisé un petit peu tout le répertoire de quelque chose d'épique pour cette couverture. Et puis voilà, j'en ai terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà.